n'arrête pas le progrès. Et l'une des formes du progrès, qu'on le veuille ou non, c'est l'automobile. De même que l'une des formes de l'arithmétique est le fameux problème des robinets. Lancez comme en 1960, 600 000 voitures neuves sur la route et jetez à la casse 150 000 guimbards d'or d'usage. Combien d'automobiles faut-il compter en excédent? Cela fait 5 600 000 véhicules en circulation en 1961. Ou bien une voiture par ménage en 1975, ou encore un réseau routier complètement dépassé dans 15 ans. C'est bel et bien le problème des robinets. Si le réservoir déborde, il y a deux solutions, agrandir le réservoir ou fermer le robinet. Mais le progrès est un robinet dont le débit ne peut qu'augmenter. Alors voilà. Et en attendant que notre espace vital s'étende aux routes aériennes, il faut bien s'organiser dans les deux seules dimensions dont nous disposons. Pour l'instant, disons que la situation n'est pas vraiment dramatique. Quelques petits malaises, sans plus. La route, c'est l'évasion, formule consacrée. Mais il est vrai que l'automobile est un bienfait, à tout point de vue. Seulement, là où cesse le privilège de quelques-uns, commence le règne de la foule. La Côte d'Azur en sait quelque chose. Juillet-août, de Marseille à Menton, toute l'Europe et un peu d'Amérique se donnent rendez-vous. Le ciel est bleu, la mer est vaste, mais la route, qu'elle soit du bord de mer ou de l'Estérel, est un de ces jeux de patience auxquels nous ne sommes pas prêts de nous faire. Bienheureux lorsque le trajet de Cannes à Nice, une trentaine de kilomètres, ne demande pas plus de 2 heures en file indienne, au pas, sous un soleil de plomb. Certains s'écrient alors « Vive la Bretagne !» Mais la Bretagne, c'est pareil. Faut-il regretter l'âge doré des carnavals de crinoline? Qu'importe hier et le présent n'est qu'une étape. La vieille dame Côte d'Azur a sa jeunesse, étape elle aussi, et pas seulement de vacances, sur un chemin bien trop étroit pour son importance économique. Relais de cet influx nerveux qui de Londres à l'Afrique, de Stockholm à Palerme, de New York à Suez, passe par Marseille ou Nice. Il fallait bien qu'un jour, la Côte d'Azur se réveillât transformée. Depuis longtemps déjà, les plans étaient tirés pour une offensive de grand style dans le maquis et le relief tourmenté de l'Estérel. Aucun accès à la mer n'était concevable sans une large percée dans la montagne. Ce fut un beau matin, l'une des plus belles mobilisations de matériel lourd que l'on ait jamais déclenché dans ce pays et, en matière de technique, un record du genre. L'autoroute Estérel-Côte d'Azur, de Puget-sur-Argens, peu avant Fréjus, à Nice, s'étend sur 50 km. 50 km d'une double voie qu'il fallait implanter dans une nature vierge, sauvage, sur un terrain absolument chaotique. Plus de 6 millions de mètres cubes de déblais
dont les trois quarts constitués de rochers. Lorsqu'on voyage sur une route en lacet, on pense souvent aux difficultés que durent connaître ses constructeurs. Dans ce cas, le travail consiste à accrocher une voie à flanc de montagne en en suivant les caprices. Le relief commande et la route suit. Elle tourne, elle monte, elle descend, elle fait ce qu'elle peut. L'autoroute de l'Estérel avait d'autres ambitions. D'un tracé presque horizontal et rectiligne, elle exigeait que la montagne se pliât cette fois à ses volontés. Partout où des collines se dressaient, qu'il n'était pas question de contourner, partout où des ravins se présentaient, le jeu, si je puis dire, consistait à raser tout ce qui dépasse pour l'amonceler dans le fond des vallées. Méthode simple et directe, on le voit, l'horizontale à coup de bulldozer. Certains points du parcours, le franchissement de rivières, de routes secondaires ou de gorges profondes exigeait la construction d'ouvrages d'art. De Fréjus à Nice, 41 aqueducs, 44 ponts et 22 passages supérieurs équipent aujourd'hui cette autoroute. Mais l'Estérel vaincu, il fallait aussi traverser des régions plus civilisées, sinon plus commodes, et l'on imagine que le passage entre les villas qui surplombent Cannes, par exemple, ne se fit pas sans quelques difficultés. Chacun, bien sûr, voit le midi de sa fenêtre, mais tout de même, reconnaissez que gagner une heure pour aller prendre un scotch à Nice, ça vaut bien un peu de poussière, non ? Les mois ont passé de chaleur, de pluie ou de neige, et la route, sur plus de 50 km, a pris son vol.
Ces vues ont une valeur de document. Le barrage de Malpassé, construit pour l'alimentation en eau de toute la région, retenait alors un lac paisible, pittoresque. Une nuit de décembre 1959, ce fut le cataclysme. 50 millions de mètres cubes d'eau déferlent vers la vallée, vers la mer, vers Fréjus qui dort. Le barrage a sauté. Les maisons et les vignes, les jardins et les champs de pêcher, les troupeaux, les ponts, les routes, les voies ferrées, tout est balayé en quelques minutes. La formidable vague s'abat sur Fréjus, des centaines de morts, des milliers de sinistrés, des dégâts par milliards. L'autoroute, elle aussi, rasée sur des kilomètres, fut victime de Malpassé. Dans ces baraques emportées par le flot, des ouvriers dormaient, disparus à jamais. Le soleil, le lendemain, brillait sur un désert, comme une insulte à la misère des gens. Peu à peu, les effets du désastre disparurent et la route, un beau jour, découvrit la Méditerranée. Cannes était en vue, Antibes, Golfe Juan, Nice, la Côte d'Azur. Il ne manquait plus qu'un détail pour habiller cette double piste. 100 km aller-retour d'un revêtement soigneusement aplani, et ce fut l'ouverture. Cela avait coûté quelque 12 milliards d'anciens francs, comme on dit, 220 millions le kilomètre. La Côte d'Azur s'est enrichie à sa porte d'une allée digne de son renom, et dont nous attendons bientôt qu'elle se prolonge jusqu'aux portes de ceux qui, au nord, à l'est, à l'ouest, rêvent de soleil et de joie. L'autoroute en France a jusqu'alors été le petit luxe de quelques grandes villes en mal de débouchés, et les citadins qui l'empruntent éprouvent sur quelques kilomètres la sensation d'un grand élan. On retrouve bien vite, hélas, les mille tracasseries de la nationale qui faisaient hier notre fierté et rejoindra demain au musée des voyages le pittoresque des pavés du roi. Le monde est devenu ce qu'il est en réalité, un tout discontinu des foules qui se cherchent,
un fantastique réseau de lignes de force que rien ne peut plus empêcher de se joindre. Demain, la route aura la dimension de nos rêves, et lorsqu'elle n'y suffira plus, nous emprunterons le ciel. Et si le ciel un jour s'avère par trop étroit, parions alors que nous l'élargirons.